le cancer du rein de l'adulte. Pourquoi on parle du cancer du rein de l'adulte? Parce que le traitement n'est pas le même que chez l'enfant. Chez l'enfant, en général, il s'agit d'un néphroblastome. Le cancer du rein chez l'enfant, on l'appelle le néphroblastome. C'est des tumeurs mésenchymateuses qui sont radiosensibles. Et chimiosensibles plutôt. Chimiosensibles. Donc, on commence en général chez l'enfant par la chimiothérapie. C'est une chimio qui va faire disparaître complètement la tumeur ou réduire son volume et va faciliter la chirurgie. Alors que chez l'adulte, le cancer du rein, ou dans le cancer du rein, le traitement est uniquement chirurgical. Il est radio-chimio-résistant. Oui. Donc, introduction, épidémiologie, l'anatomopathologie, les facteurs pronostiques du cancer du rein, le diagnostic, la prise en charge thérapeutique, et on terminera par une conclusion. Oui. Comme introduction, donc il représente 2 à 3% des cancers de l'adulte. Dans 80% des cas, il s'agit d'un carcinome à cellules conventionnelles. La TDM, le scanner, est l'examen de référence. Ce n'est pas l'examen de diagnostic, mais l'examen de référence. Pourquoi? Parce que le diagnostic du cancer du rein est fait à l'échographie seulement. Toute tumeur solide du rein est un cancer jusqu'à preuve histologique du contraire. Donc l'échographie à elle seule peut poser le diagnostic. La TDM est l'examen de référence. Pourquoi? Parce qu'elle pose également le diagnostic, mais elle permet de faire le bilan d'extension. Le traitement curatif, le seul traitement est la chirurgie. Il est chirurgical. Le pronostic est défavorable dans les formes évoluées. Mais en général, son pronostic est favorable. Donc 80 à 90%, en général, on obtient la guérison si on opère à temps. Oui. Épidémiologie. L'épidémiologie descriptive. Donc 3% des cancers solides, troisième cancer urologique et sixième cause de décès par cancer dans les pays industrialisés. Le sexe ratio est 2 hommes pour une femme, donc il est plus fréquent chez les hommes. Donc l'âge médian du diagnostic est de 65 ans, mais on assiste actuellement à une baisse de l'âge. Donc on voit des cancers du rein à des âges de plus en plus jeunes. Les facteurs de risque liés aux patients. Il y a le facteur génétique, 1 à 2% des cas. L'âge est plus précoce. La bilatéralité et la multifocalité. Les syndromes héréditaires. Il y a la maladie de von Hippel-Lindau qui donne des cancers du rein. Le cancer du rein familial commun qui n'est rattaché à aucun syndrome particulier. Et il y a les carcinomes héréditaires tubulopapillaires. Il y a d'autres maladies génétiques. Donc il y a l'empreinte génétique ou familiale dans le cancer du rein. Les facteurs de risque liés aux patients. Il y a l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, les patients transplantés, soit sur les tumeurs natifs, les reins natifs, ou sur le rein greffé. En général, chez les patients greffés, c'est dû à l'immunosuppression, parce qu'on met ces patients sous immunosuppresseurs. Les facteurs hormonaux, il y a l'insuffisance rénale chez les patients dialysés, mais aucun facteur n'a été prouvé, pas comme les tumeurs de vessie. Vous n'avez pas encore fait les tumeurs de vessie. Dans les tumeurs de vessie, le premier facteur de risque, c'est le tabagisme. Il est prouvé. Ici, aucun facteur n'est prouvé. On a trouvé des liens seulement, mais aucun facteur n'a été prouvé. Oui. Les facteurs environnementaux, donc le tabagisme, les expositions professionnelles, l'alcoolisme, chimio-prévention, alimentation, etc. On a décrit plusieurs facteurs. Oui. Anatomopathologie, donc dans 90% des cas, il s'agit d'un carcinome à cellules rénales, CCR, et quelques tumeurs bénignes telles que l'oncocytome et l'angiomyolipome. L'examen anatomopathologique prend une place prépondérante ou prédominante dans la reconnaissance de ces tumeurs. Le diagnostic histologique permet de préciser les facteurs histopronostiques. Oui. Pour les carcinomes à cellules rénales, donc les CCR, on a dit qu'ils représentent 90%. Ils sont subdivisés en 4 groupes. Carcinome à cellules claires et ou acidophiles, ou ce qu'on appelle conventionnel, ou dans certains livres vous trouvez, on l'appelle carcinome de Kravitz. Donc la plus fréquente, qui représente 70%.
Carcinome acido-rénal papillaire ou carcinome tubulopapillaire représente 10 à 15% des cas. Carcinome acido-rénal chromophobe, 5% des cancers acido-rénal. Et le carcinome de type collecteur de Bellini, c'est le plus agressif. Heureusement qu'il est rare, il ne représente que moins de 1%. Il est caractérisé sur le plan clinique par son agressivité. Il est rapidement métastatique au moment de sa découverte et d'évolution rapidement fatale. Voici un schématisé, des photos des coupes microscopiques et des coupes macroscopiques. On passe ça. Donc, les facteurs pronostiques, il y a les facteurs cliniques, il y a les facteurs histopathologiques, il y a les facteurs biomoléculaires. Le biomoléculaire, c'est du domaine de la recherche maintenant, parce qu'on cherche les chimiothérapies qui peuvent agir sur le cancer du rein. Pour les facteurs cliniques, altération, performance, statut, présence de symptômes locaux et la cachexie ou l'anémie. Donc, l'altération de l'état général au moment de la découverte du cancer est un facteur de mauvais pronostic. Les facteurs histopathologiques, il y a la classification PTNM, c'est-à-dire, donc T, les tumeurs, est-ce qu'il y a des adénopathies ou non, est-ce qu'il y a des métastases ou non. Il y a le grade histologique, ce n'est pas comme le cancer de la prostate où le grade, c'est le grade de Gleason, ici c'est le grade de Furman. Le type cellulaire, donc est-ce qu'il s'agit d'un carcinome acido-rénal acidophile, tubulopapillaire, tube collecteur de Bellini, etc. Chaque type a un pronostic. Et il y a la présence ou non de micro-angio-invasion. La présence sur la tumeur de micro-angio-invasion, c'est que la tumeur a atteint les vaisseaux. Quand elle a atteint les vaisseaux, il y a risque de métastase. Oui. La classification TNM 2009, on l'utilise jusqu'à maintenant. T, c'est tumeur primitive. TX, la tumeur primitive, ne peut être évaluée. T0, aucune preuve de tumeur primitive. T1, tumeur limitée au rein, inférieur ou égal à 7 cm de grand axe. T1A, tumeur limitée au rein, inférieur ou égal à 4 cm de grand axe. T1B, également tumeur limitée au rein, mais qui dépasse 4 cm sans atteindre 7 cm. T2, tumeur limitée au rein, mais supérieure à 7 cm de grand axe. Subdivisé également en deux sous-groupes. Donc T2A, tumeur limitée au rein qui dépasse 5 cm mais reste inférieure à 10 cm. T2B, une tumeur limitée au rein mais qui dépasse 10 cm. T3, une tumeur intéressant les veines principales ou envahissant la graisse périnale ou le sinus rénal mais sans atteindre le fascia de Gérota. Le fascia, c'est un fascia virtuel qui entoure la graisse, qui entoure le rein. Tant que la tumeur n'a pas dépassé ce fascia, donc le traitement est toujours carcinologique. Parce que quand on fait la chirurgie, on enlève le rein tumoral avec la graisse qui l'entoure en portant ce fascia. Donc tant que la tumeur elle est à l'intérieur de ça, elle est curable. T4, tumeur s'étendant au-delà du fascia de Gérota, donc incluant l'envahissement de contiguïté de la surrénale homolatérale. Envahissement de contiguïté, c'est-à-dire de contact, parce qu'il y a le métastase surrénalien. C'est autre chose. Oui. N, envahissement des ganglions régionaux. NX, les adénomégalies ne peuvent être évaluées. N0, pas de métastase ganglionnaire. N1, métastase ganglionnaire unique. N2, plus d'une métastase ganglionnaire. M, ou métastase à distance. MX, les métastases à distance ne peuvent être évaluées. M0, pas de métastase à distance. M1, métastase à distance. Oui. Donc ici, on voit une schématisation du T1 jusqu'à T4. Oui. Le grade de Furman, 4 grades selon la taille et les contours des noyaux et présence de nucléoles, avec des cellules monstrueuses. Donc, le grade 4 de Furman est de très mauvais pronostic. Donc, plus la tumeur se rapproche de la tumeur de la cellule normale, moins le cancer est agressif. Donc, plus elle est différente, plus elle est agressive.
Donc le grade 4, c'est les cellules tumorales qui sont très différentes des cellules normales. Donc c'est le grade le plus agressif. Une composante sarcomatoïde doit être systématiquement gradée en Furman 4. Donc s'il y a un carcinome à cellules rénales, cellules claires par exemple, avec une composante sarcomatoïde, le médecin anatomopathologiste ne doit pas préciser le grade ici. Parce que la composante sarcomatoïde signifie un grade 4 directement. Oui. Type cellulaire. Donc le chromophobe est moins agressif que le papillaire, moins agressif que le conventionnel, moins agressif que le type collecteur de Bilini. Donc, selon le type cellulaire, on connaît l'agressivité de la maladie ou du cancer. Oui. Le diagnostic. Donc, clinique. Les circonstances de découverte. Donc, découverte fortuite dans 60% des cas. Ce n'est pas négligeable. Dans 60% des cas, c'est une découverte fortuite. Donc, le patient fait une échographie, un scanner, une IRM pour autre chose, on découvre un cancer du rein. Parce que pourquoi? Parce que la tumeur dans le rein, qui est dans une graisse rétopéritonéale, ne donne de symptômes que tardivement, que lorsqu'elle est grosse. Donc, dans découverte fortuite dans 60% des cas. Manifestation urologique, hématurie, c'est la triade classique, hématurie, douleur, masse lombaire palpable dans 10% des cas. Signes généraux, l'altération d'état général dans 10% des cas. Et manifestation liée à une localisation secondaire dans 28% des cas. Dans 28% des cas, donc c'est une découverte au stade de métastase. Les manifestations en rapport avec un syndrome paranéoplasique. C'est quoi le syndrome paranéoplasique? C'est que la tumeur ou le cancer se met à sécréter des substances qui ressemblent à des substances qui existent dans le corps, mais de manière excessive. Donc, l'hypercalcémie peut se rencontrer dans le cancer du rein. Elle est due à la sécrétion par la tumeur d'une substance PTH-like. L'hypertension artérielle, elle est due à la sécrétion d'une substance rénine-like, le système rénine, angiotensine, aldostérone. L'anémie, donc, c'est la tumeur qui bouffe l'hémoglobine, le sang. Donc, la fièvre en long cours, elle est due à la sécrétion par la tumeur d'une substance pyrogène qui stimule les centres donc, de température du corps. La polyglobulie, donc, c'est la sécrétion par la tumeur d'une substance érythropoïtine-like. Et enfin, le syndrome de Stauffer. C'est quoi le syndrome de Stauffer? C'est une atteinte hépatique non métastatique. C'est des plages de nécrose qui ne sont pas des métastases, mais avec associées à une fièvre et une leucopénie. C'est ça le syndrome de Stauffer. Oui. L'examen clinique. Donc, c'est l'interrogatoire. On doit apprécier l'état général du patient, l'évolution des signes cliniques, les antécédents familiaux de cancer du rein. C'est très important. Pourquoi on cherche les antécédents familiaux? Parce qu'on a dit que ces cancers-là, ils sont multiples, ils peuvent récidiver. Donc on doit, coûte que coûte, aller vers un traitement conservateur. Parce que si on va enlever un rein où il y a une petite tumeur, ce patient, dans quelques années, risque d'avoir une tumeur dans l'autre rein. Il faut être, chez ces patients-là, très, très, très rigoureux et très conservateur. La notion de forme héréditaire, oui. Donc, l'examen physique à la recherche d'une hépatomégalie qui signifie la présence de métastases hépatiques. Le premier signe de métastase, le siège de métastase, donc, dans le cancer du rein, c'est les poumons. C'est le poumon. Puis, c'est le foie. Il est hémophile. C'est un cancer qui est hémophile, qui aime le sang. Donc, il va vers la petite circulation, c'est le poumon, puis la grande circulation, c'est le foie. Pas comme prostate, vessie. S'ils sont lymphophiles, ostéophiles. Donc, une varicocèle récente, elle est due à quoi? À une thrombose de la veine rénale ou la veine cave inférieure. Donc, l'apparition récente d'une varicocèle unilatérale, c'est la tumeur est à gauche.
Au bilatéral, si la tumeur est à droite, elle a envahi donc la veine rénale et la veine cave inférieure. Donc l'apparition de varicocèles signifie qu'il y a un thrombus de la veine cave inférieure ou thrombus de la veine rénale à gauche. Parce que à gauche, la veine testiculaire ou la veine spermatique se jette dans la veine rénale directement. Alors qu'à droite, elle se jette dans la veine cave inférieure. Donc une hydrocèle, une varicocèle gauche peut nous faire suspecter une tumeur rénale à gauche. Une varicocèle bilatérale peut nous faire suspecter un thrombus de la veine cave inférieure. Donc soit c'est une tumeur à gauche ou tumeur à droite avec thrombus de la veine rénale et thrombus de la veine cave inférieure. Un syndrome cave inférieure. C'est quoi le syndrome cave inférieure? Oui? Circulation veineuse collatérale. Oui? Hépatomégalie, splénomégalie. Oui? HTP, oui. Œdème des membres inférieurs et apparition de varices. Donc c'est le syndrome cave inférieure dû à un thrombus de la veine cave inférieure. Un contact lombaire qui signifie un gros rein tumoral et la dissémination à distance. Donc chaque cas est un cas. Ça dépend de la métastase. Chaque métastase donne des symptômes. Oui. L'imagerie diagnostique. Oui. L'échographie conventionnelle, examen clé, il permet le diagnostic dans 60% des cas. La sensibilité de l'échographie, elle est de 80% pour les lésions supérieures à 3 cm. Elle est de 60% pour les tumeurs de moins de 2 cm. Elle est opérateur et matériel dépendant. Donc un bon radiologue peut voir une tumeur moins de 2 cm avec un bon échographe. Avec une taille seuil de détection aux alentours de 1 cm. Oui. L'échographie de contraste. La sensibilité de l'échographie conventionnelle a été augmentée par l'apparition relativement récente de l'échographie avec contraste, permettant une meilleure détection des petites masses. Donc, on injecte un produit qui est détecté à l'échographie. On n'a pas ça en Algérie, oui. Le Doppler confirme parfois l'existence d'une vascularisation anarchique intratumorale avec mise en évidence de shunt artério-veineux. Donc, l'examen tendodensitométrique, la TDM, on a dit que c'est l'examen de référence. Il permet la détection et la caractérisation de la tumeur. C'est-à-dire quoi la caractérisation? La taille, la forme et le contraste. Parce que, par exemple, le carcinome à cellules rénales, il prend le contraste en même temps que la tumeur. Parenchyme en même temps que la tumeur. Alors que, par exemple, le carcinome tubulopapillaire, il y a un retard de prise de contraste de la tumeur par rapport au parenchyme. Déjà, le scanner, il peut suspecter le type histologique du cancer. Il ne dit pas seulement que c'est un cancer du rein, mais il peut s'agir d'un cancer tubulopapillaire, un cancer à cellules conventionnelles, etc. Donc, bilan d'extension loco-régionale. Il nous donne le bilan d'extension locale, loco-régionale. La sensibilité, elle est de 90%. La tomodensitométrie est fiable pour la détection des lésions de taille inférieure ou égale à 1 cm. Le passage sans. Donc, comment on fait ce scanner? C'est un uroscanner en général. Donc, passage sans injection. La phase artérielle, elle donne la cartographie artérielle rénale et tumorale. Donc, rénale et tumorale. Est-ce qu'il y a une seule artère qui irrigue tout le rein? Est-ce qu'il y a deux, trois artères? Ça, pour nous, c'est très important quand on veut faire une chirurgie conservatrice, une chirurgie partielle, par exemple. On ligature que l'artère polaire supérieure où il y a la tumeur et on enlève le pôle supérieur. Donc, il nous donne ça, il nous donne l'artériographie. La phase. Donc, corticomédulaire apporte l'élément clé de la caractérisation tumorale, qui est le rayossement significatif au-delà de 12 unités à Hounsfield. La phase parenchymateuse ou néphrographique, plus sensible dans la détection des petites lésions hypodenses. Et enfin, la phase excrétoire, c'est l'uroscanner. Oui. Donc, on voit ici, c'est un exemple excellent, avant et après. Donc, ici, on ne voit rien. C'est une coupe sagittale du rein. On ne voit rien. Mais ici, on voit la différence de contraste entre cette zone et tout cela. La tumeur est là.
Donc c'est ça la différence de prise de contraste qui fait suspecter un cancer, oui. La même chose, avant injection de produit de contraste, après injection de produit de contraste, on voit la petite masse sur la lèvre postérieure du... Voilà, oui. L'imagerie par résonance magnétique. Les critères sémiologiques sont voisins de ceux de la tomodensitométrie, du scanner. L'IRM permet de mieux caractériser les lésions de petite dimension. Elle n'induit pas d'irradiation, donc elle peut se faire en cas de cancer de la thyroïde, d'allergie à l'iode et chez la femme enceinte. On a eu des cancers du rein chez des femmes enceintes. Donc c'est l'indication de l'IRM et non pas du scanner. La sensibilité, elle est de 90%. Oui. Donc, elle est bonne, l'IRM, pour les carcinomes rénaux atypiques, tumeurs de petite taille, carcinomes solides hypovasculaires. L'IRM est supérieure au scanner. Pour les carcinomes multiples bilatéraux, sensibilité, donc possibilité de métastase ou de lymphome, c'est l'IRM qui nous dit est-ce que c'est une tumeur rénale ou c'est une métastase ou c'est un lymphome rénal. Oui, carcinome infiltrant, carcinome à composante graisseuse, exceptionnel, mais possibilité d'angiomyolipome bénin. C'est l'IRM qui fait le diagnostic. Oui. L'imagerie d'extension. Donc l'extension léco-régionale évalue de façon identique par la TDM et l'IRM. Elles évaluent de la même manière l'envahissement ou l'extension loco-régionale. L'extension lymphatique, la sensibilité est comparable entre la TDM et l'IRM. Elle est de 90%. Donc, si l'adénopathie est supérieure à 1,5 cm, elle est suspecte. Supérieure à 2 cm, elle est métastatique. Elle est de forme arrondie, plutôt covalaire. Lorsqu'il c'est une adénopathie qui est ronde, c'est une métastase ganglionnaire. Oui. L'extension veineuse pour la TDM, donc la sensibilité est de 85%. Pour l'IRM, sensibilité de 80% pour la veine rénale et de 100% pour la veine cave inférieure. Donc, si on suspecte un thrombus de la veine cave inférieure, le mieux, c'est de faire une IRM parce qu'elle est sensible à 100%. Elle voit 100% des thrombus de la veine cave inférieure. Donc, la TDM, donc, elle suspecte l'envahissement veineux par le changement de forme ou l'augmentation du diamètre. L'IRM, elle permet de voir la nature du thrombus lui-même. Est-ce que c'est un thrombus néoplasique ou cryorique? Est-ce que c'est l'hypercoagulabilité sanguine due à la tumeur qui donne ce thrombus ou c'est un envahissement de la tumeur elle-même? C'est la tumeur qui est arrivée à la veine. L'examen de choix pour préciser la limite supérieure du thrombus cave inférieur. Oui, on voit les photos. Donc, ici, on voit la veine cave inférieure au milieu. Oui, là où il y a la flèche, c'est la limite supérieure du thrombus. On a vu des thrombus, donc, soit sous-hépatiques, sus-hépatiques, intra-thoraciques. On a vu des thrombus qui arrivent dans l'oreillette droite. C'est le thrombus qui arrive jusqu'à l'oreillette droite. Oui. Ici, donc, on voit très bien. La TDM, elle est bonne pour l'extension osseuse, pariétale, pour les métastases surrénaliennes et pour les métastases pulmonaires. C'est pour cela, quand on demande un scanner dans un cancer du rein, on fait un TAP, TDM TAP, thoraco-abdomino-pelvien. C'est tout le bilan d'extension. Il nous donne tout, tout le bilan d'extension. Pour l'IRM, elle permet de voir le niveau du thrombus dans la veine cave inférieure. Le thrombus, est-ce qu'il est tumoral ou cryorique? C'est la même chose pour l'échographie de contraste. Elle donne également ça. Pour les deux, ils ont le même bilan d'extension locale, extension extracapsulaire, extension ganglionnaire et planification préopératoire, surtout la vascularisation du rein. Pour les métastases hépatiques, l'échographie abdominale avec Doppler est meilleure que la TDM, mais elle est comparable à l'IRM. Entre de bonnes mains entraînées, l'IRM est le meilleur examen pour détecter les métastases hépatiques. Oui. Le traitement. Pour le cancer du rein localisé, c'est-à-dire T1, T2, une tumeur qui n'a pas dépassé la capsule rénale. La chirurgie à ciel ouvert, ou CELIO, ou robot assisté, mais c'est la
La chirurgie, le traitement est strictement chirurgical. Donc le traitement chirurgical est le seul traitement efficace du cancer du rein au stade localisé. Deux types de chirurgie. Soit une néphrectomie totale élargie. Pourquoi totale élargie? Quand on dit totale, parce qu'il y a une néphrectomie partielle. Élargie à quoi? À la graisse périrénale jusqu'au fascia de Gérota et à la surrénale. Mais on n'enlève pas tout le temps la surrénale. Quand est-ce qu'on enlève la surrénale? Dans deux situations. Si la tumeur est polaire supérieure, quelle que soit sa taille. Une tumeur polaire supérieure de 4 cm, on enlève la surrénale. Ou lorsque la tumeur dépasse 7 cm, quel que soit son siège. Une tumeur de plus de 7 cm, même à l'épaule à l'inférieur, on enlève la surrénale. Donc, la néphrectomie totale élargie est le traitement de référence pour les tumeurs de plus de 7 cm. L'néphrectomie totale élargie pour cancer a pour but l'ablation en monobloc, en un seul bloc, du rein, de la graisse périrénale, de la surrénale, du fascia de Gérota et des ganglions. On enlève tout ça. C'est pour cela qu'on dit néphrectomie totale élargie. Pour la néphrectomie partielle, les chirurgies partielles du rein reposent sur l'exérèse complète de la lésion avec une marge de sécurité de quelques millimètres de parenchyme sain et de graisse périrénale. Auparavant, ils ont commencé à prendre 2 cm de marge de sécurité. La tumeur, elle est là. Donc, ils partent 2 cm dans le parenchyme sain. Puis cette marge a été réduite à 1 cm, puis 5 mm, puis 3 mm. Maintenant, on ne fait que des tumorectomies. Il suffit d'enlever le cancer bien encapsulé seulement. Ce qu'on appelle une tumorectomie. Oui? Donc, voici une néphrectomie totale élargie prenant la surrénale. Oui? Les indications de la néphrectomie partielle. La chirurgie conservatrice de nécessité. Chez les patients présentant un cancer du rein ou surrénal unique. Donc, c'est un traitement conservateur de nécessité. Une tumeur bilatérale ou un rein contralatéral non ou peu fonctionnel. Les maladies héréditaires à risque de cancer du rein. L'indication de néphrectomie partielle peut être relative en cas de maladie pouvant altérer la fonction rénale, telle que l'ityase, pyélonéphrite chronique, sténose de l'artère rénale, reflux, diabète, hypertension artérielle. Dans ce cas-là, où il y a une pathologie qui altère la fonction rénale, on va beaucoup plus vers un traitement conservateur. La chirurgie conservatrice est de principe, on doit la faire, pour les petites tumeurs sporadiques, donc ce n'est pas familial, c'est sporadique, moins de 4 cm, actuellement, entre des mains bien entraînées, ou dans les équipes qui font ça, on arrive jusqu'à 7 cm. 7 cm, exophytique, c'est-à-dire qu'à développement extrarénal, exophytique, limite interne à plus de 1 cm d'huile. Elle est loin des vaisseaux de plus de 1 cm, avec un rein contralatéral normal. Pour certaines équipes entraînées, les tumeurs inférieures à 7 cm, TMB, peuvent aussi bénéficier d'une chirurgie partielle. Oui? On voit ici, c'est des tumeurs qu'on a fait ici au CHU Batna. Donc, voici le rein qu'on a libéré. Ce lac blanc, transparent, c'est le pédicule qui est pris sur le lac. Donc, on a libéré le rein, on a libéré tout le pédicule. La tumeur est là-bas. On voit là-bas. Oui, le bouton avec. Le petit, avec. C'est là la tumeur. Il y a une petite tumeur là-bas. Deuxième. Donc, c'est ça. Donc, elle était là-bas. Malheureusement, je n'ai pas le scanner, mais on voit ça très bien sur le scanner. C'est une petite tumeur de 2 cm. Oui. C'est une vue intérieure qu'on a enlevée de l'intérieur, donc elle est bien encapsulée. La tumeur, elle est bien encapsulée. Oui. Voici, après l'ablation de la tumeur, c'est le cratère qui reste. Et après, voici après réparation. Donc, on a conservé le rein. Auparavant, on enlevait des reins entier pour une petite tumeur comme ça. Maintenant, c'est la chirurgie conservatrice. Oui? Les méthodes destructives. Il y a de nouvelles méthodes telles que la radiofréquence et la cryothérapie. C'est du domaine de l'expérimentation. Elles ne sont pas validées pour le moment.
pour le cancer du rein au stade localement avancé. Le cancer du rein localement avancé, c'est quoi? Il regroupe l'ensemble des cancers qui ne sont ni localisés intracapsulaires, c'est-à-dire PT1, T2, ni métastatiques, M+. Entre ces deux limites, c'est localement avancé. Le traitement de référence du cancer du rein localement avancé est toujours la chirurgie. Faire une néphrectomie totale élargie. Deux situations sont à distinguer. La chirurgie est réalisée dans un but curatif, T3A, B, C, mais absence d'adénopathie, absence de métastase. La chirurgie est réalisée dans un but palliatif, T4, la tumeur a dépassé le fascia de Gérota, où il existe des adénopathies. Le but est donc de proposer l'exérèse la plus large possible afin de retirer l'ensemble de la masse tumorale, ce qu'on appelle une chirurgie pour réduction tumorale. On n'est jamais certain qu'on a enlevé toute la tumeur. Il peut rester un petit morceau de la tumeur. Donc on n'est pas carcinologique. Des essais de traitement adjuvant par anti-angiogénique, ce qu'on appelle la thérapie ciblée maintenant, sont actuellement en cours. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une chirurgie et à côté de la chirurgie, on met le patient sous molécules spéciales, c'est des substances anti-angiogéniques qui détruisent la néovascularisation. C'est ce qu'on appelle la thérapie ciblée. Oui. La prise en charge du cancer du rein métastatique, le traitement anti-angiogénique de premier lieu, une néphrectomie est recommandée pour les patients présentant un bon état général en complément avec le traitement médical. La radiothérapie, le cancer du rein est hautement radiorésistant. Donc il est radiorésistant. Mais le traitement des métastases cérébrales, osseuses, à visée palliative, peut faire appel à la radiothérapie conformationnelle afin de diminuer les symptômes. C'est une radiothérapie ontalgique seulement. Oui? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Oui?